Une scène de liesse à laquelle peu de monde aurait cru. Les Ivoiriens sont en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations et rêvent d'un troisième sacre dimanche après être passés tout près de l'élimination au terme des matchs de poule. Quand on revient deux semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que deux semaines après, on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. Il faut continuer dans cette logique-là, parce qu'il ne faut pas arriver, jusqu'au bout pour lâcher. On a encore un grand match à livrer ce dimanche, donc il faut rester concentré, il faut retrousser les manches. Les éléphants s'offrent un duel au sommet face aux Nigérians dimanche, qui les avaient battus en phase de poule. Dans ce bar de Lagos, il a fallu attendre la séance de tir au but pour pouvoir enfin souffler. Après un scénario rocambolesque, avec un but nigérian annulé, suivi dans la foulée d'une égalisation sur pénalty de l'Afrique du Sud à la dernière minute. Je suis heureux et je sais que le Nigeria sortira vainqueur. Nous devons soulever cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est prêt. Le sélectionneur du Nigeria qui dispute sa première CAN espère réussir le hold-up parfait sur les terres ivoiriennes. Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit que je voulais gagner la CAN. Je ne sais pas si quelqu'un l'a cru ou pas. J'y ai cru dès le premier jour. Nous n'avons rien gagné jusque-là, mais nous voulons gagner la CAN. Le dernier titre du Nigeria remonte à 2013, presque une éternité dans le monde du football.